Yo yo les mecs, salut les techniciens et salut tout le monde! Ça va quoi les gars? Tranquille? On a masse de packs à ouvrir, j'ai fait comme prévu les grosses affiches. J'ai récupéré aussi un pack parce que j'ai augmenté de level. Donc j'ai récupéré un pack, je sais plus c'est lequel. J'ai fait un pack 2 joueurs or rares. On a aussi 2 packs à 100k. On aura aussi les récompenses Revolves avec 2 packs à 50k et 2 autres packs. Je sais plus lesquels, je crois que c'est des packs à 25k. Donc au total il y aura une quinzaine de packs à ouvrir. Donc on va se faire plaisir. J'espère. Est-ce que ça t'arrive des fois de péter un câble et de revendre tout ton club? Non? Non, parce que en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pété un câble. J'ai tout revendu! J'ai tout revendu, j'ai 544 000 crédits. J'ai vendu tous les gros joueurs que j'avais. Donc ouais. Je me suis pris la tête de ouf avec le défi Première Ligue. Au final, je l'ai réussi. Mais du coup, j'ai tout revendu, ça m'a saoulé. Pourtant, on a grave kiffé Lewandowski. Coutinho, grave fort. Sancho, voilà quoi. Walker, je trouve trop cher pour sa carte. Il a juste la vitesse, un peu. Enfin voilà quoi. Tu peux acheter Semedo qui est à peu près pareil. En plus, il est technique. Moi, je préfère ça. Rashford, surcoté de ouf. Pour moi, il est claqué au sol. Vraiment, il est éclaté. Je sais pas comment les gens ils disent qu'il est meilleur que du Messi ou du CR7. Il est claqué, il est nul à chier. Et Sissoko, je l'ai vendu parce que. J'ai envie de changer un petit peu en fait. J'ai envie de changer et puis j'espère qu'on va taper du lourd dans nos packs ou dans nos cartes rouges. Parce que j'ai vraiment envie de changer mon équipe. Donc du coup on a fini FUT Champion, Rivals en or, Première Ligue et Bundesliga. Il nous reste la Liga, Serie A et Ligue 1. Donc j'espère aussi qu'on va taper des joueurs en premier détenteur en Liga, en Serie A ou en Liga. Bon, premier détenteur c'est un peu sûr hein, vu que... Enfin, il faut taper des joueurs de la Liga, Serie A, Liga en premier détenteur quoi qu'il arrive. Ouais, Nesta, Pirlo, j'en ai vu qui sont intéressés par Nesta aussi mais... Honnêtement, je suis pas intéressé en fait par les icônes en défenseur pour l'instant. La seule icône qui pourrait m'intéresser en défense, c'est Zambrota. 5 étoiles au pied, 4 étoiles geste technique. Après, ça dépend quelle version en fait, parce qu'il a une version à gauche et une version à droite. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pros qui se plaignaient sur cette carte, c'est très bien. Continuez à vous plaindre, continuez à dire que Zidane il est pas méta. Moi, comment je m'en bats les steaks? Qu'il soit méta ou pas, je le veux dans ma team. Quel pack on va ouvrir? On va ouvrir les plus éclatés évidemment. Là, c'est les packs de SBC. Et le pack du niveau 17 ou je sais pas quoi. Donc bah c'est parti, hein. De toute façon, le pack argent, c'est un peu... on va avoir des joueurs argent de toute façon, donc on s'en fout un petit peu. Oh là là, la légende Gary McKay-Steven. Oi, 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 pour ceux qui savent pas. Ce mec, je l'avais utilisé sur tous les FIFA, jusqu'à ce qu'il perde les 5 étoiles en geste technique. Aïe, aïe, aïe. Gary, il a toujours autant d'agilité et d'équilibre, ce chacal. Bon, les packs or. C'est quoi ça? Ah oui, mais c'est un pack à 5000 crédits. Moi, je m'enflamme pour un pack or. Ah, les packs or, oh là là. Et là, t'imagines. Imagine. Ouais, non. Bon, t'as quand même un 82 général, hein, ça va. Hein. Tu sais, quand tu packs un joueur ou que t'achètes un joueur, tu t'attends tellement à ce qu'il soit fort parce que tu sais qu'il est noté 90 de général, qu'il a tel stat, etc. 90 en finition pour ça, là, par exemple. Et au final, tu vois qu'il fait rien. Et, tu vois, je sais pas, t'es un peu déçu. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'attends tellement à un truc de ouf qu'ensuite, t'es déçu. Donc moi, c'est un peu ce qui m'arrive avec ça, là. Vas-y, pack 2 joueurs or rares. Qui sait, toujours le petit rituel. Je le fais, en fait, dès que j'ai des cartes or noir dans mon club qui sont inutilisables. Hey ! Pas une animation, mais au moins, on va au bout du tunnel italien. Goal, Donnarumma. Non ! Putain, Donnarumma, c'est Sirigu. Mais après, ça reste pas mal, hein, 84 de général. J'aurais bien voulu avoir Donnarumma pour... Bah, au final, on a Sirigu pour notre Serie A, donc... Qu'est-ce que je me dis, Donnarumma, Sirigu, c'est à peu près la même chose. Mais Donnarumma, il est un peu plus fort quand même. T'as pas qu'à 25 000 crédits, ça, je crois. Bon, y'a rien du tout dedans. Rien du tout. Sissoko, Joao Félix, Militao, tous les mecs comme ça qui coûtent cher. Non. Viviano. Là, il y a des cartes argent et bronze, donc je vais l'ouvrir. Prime joueur mélangé. C'est parti. Aucune idée, du coup, si certains sont vendables ou pas. Ah, ok, d'accord. Or non rare. Tamasekou, bah ok. J'aurai celui-là, pack joueur avec forme rare, vu qu'il y a des il y a des argent dedans. Ah mais il y a 12 rares. J'aurais peut-être dû l'ouvrir en dernier celui-là, vu qu'il y a plein de rares. Allez là. Donne-nous les palos. Non, ok. Pinazzola. Ok, vas-y, rien que des joueurs, c'est celui-là, le pack à 25k. Puis on garde l'autre pour la fin. Allez là, au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Oui. Ah putain, c'est pas un plus 86. Mais au moins, on va au bout du tunnel, anglais. Dédé, Walker. Mais oui. Yes. Yes. Oh putain. Je venais de le vendre, gros. Je venais de le vendre. Oh, je suis mort. Yes. Bien sûr. Pouh. Et voilà. C'est vendable. C'est vendable. Hey, on a Maguire. Mais lui aussi, sa photo, elle a changé.
Même à ISO, elle a changé. Ils ont changé pas mal de photos. Même Barella, elle a changé. Je viens de... Hey, Strootman aussi, non, je crois. Non? En tout cas, c'est vendable, bien sûr. Et Walker, c'est toujours 60. Oh putain. Il a même un peu augmenté par rapport à quand je l'ai vendu. Donc c'est lourd. C'est très très lourd. On devient de plus en plus riche. C'est génial. Bon allez, petit pack jura. Or rare, et puis ensuite on passe aux récompenses Revol, c'est récompense fut champion, mais je suis déjà content en fait avec Walker. Arnold, ok. Division Revol, normalement c'est comme la semaine dernière, donc on va prendre non échangeable. Normalement on a 2 packs à 50k et 2 packs à 25k, donc ouais, toujours pareil, donc confirmé. En espérant comme d'hab avoir des bons premiers détenteurs pour les défis icônes là, parce que du coup quand ils vont remettre 12 jetons icônes là ou je sais pas quoi. Il va falloir encore des premiers détenteurs, je suppose. Donc, faut vraiment amasser les premiers détenteurs à fond. C'est vendu direct, Walker, c'est cool. On est à 613 000 crédits, pas mal. Allez, c'est parti, pack or rare. Pack à 25k, du coup. Juste un or rare. Allez, Militao. Non. Allez, deuxième pack à 25k. Allez. Au bout du tunnel, mon ami. Au bout du tunnel, s'il te plaît. Non. Non, non, non. Militao. Sissoko. Putain, imagine, j'ai vu MC gros. Ruben Neves. Ah, Gomez. À ce qui paraît, il est très fort, Gomez. On tape que des mecs de première ligue anglais, là. Qu'est-ce qui se passe? On va taper Harry Kane en une forme ou quoi, là? Ça pue le Harry Kane en rouge. Il n'y a qu'un seul joueur qui m'intéresse en non-échangeable, que je vais utiliser à mort. C'est Neymar. Neymar, allez, prenez pas qu'à 50 000 crédits. Neymar. Neymar. Ok, les panneaux. Ah, c'est pas un plus 86 français, ça peut être lourd. AD. Mais oui. Ousmane. Mais oui. Voilà. Voilà, donne-moi des premiers détenteurs qui sont utiles. Donne-moi même pas d'animation, juste un Ousmane. Dembouz, c'est parfait. C'est parfait. Putain. Walker, Dembouz, pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon bah Dembouz, hein. Double 5. Bienvenue au club, frérot. Et là, t'inquiète pas qu'il arrive à l'heure. Il est arrivé à l'heure. Il est arrivé à l'heure dans notre club avec Iniesta. Tiens, tiens, tiens. Ça fait plaisir. Kolarov, ok, ok. Ruben Dias. Bon, il y aura sûrement des doublons là. C'est exactement pour ça que je reste rang or 3 en division 3. Je veux les deux packs à 50k. C'est l'objectif à chaque fois. Demande Ousmane, je vais avoir Neymar. Bon, allez, du coup, maintenant, le projet, c'est Ousmane Dembélé. Allez, deuxième pack à 50 000 crédits. Donnez-nous Ousmane Dembélé. Parce que là, c'est pareil, il y a des sorciers dans le chat. C'est pas un plus 86, mais c'est pas grave. Polonais, buteur, Piontek. Non, ça va être, merde, Milik. J'ai confondu les deux comme un débile, mais ouais. Ouais, c'est pas, bon. On va pas se plaindre. Dembouz, c'est très bien. Et du coup, bah là, on tape Milik qui a clairement pas de vitesse. Ok, encore Juan Jesus, il veut quoi, le frérot? En fait, il garde tout. Moi, ce que je fais, les gars, c'est que je garde tout, parce que tout ça, c'est en premier détenteur. Donc, imaginons, moi, j'utilise des cartes en SBC. Bah après, je peux les, tu vois, tac, et les remettre dans mon club. Et des fois, quand il y a des SBC, je vérifie le prix de chaque joueur pour voir s'il n'y a pas des mecs qui coûtent cher. Comme ça, je les vends direct. Je les ai en double, j'utilise pour le SBC et l'autre, je le vends. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, si ça peut vous aider dans votre montée en crédit, tant mieux, j'ai envie de dire. Bon alors, pour la Team of the Week, il y a quelques joueurs qui m'intéressent. Navas, il est intéressant, je trouve. Navas, il peut être intéressant. Ça me dérangerait pas de le paquer. On va pas se mentir. Pjanic, non merci. Acuna, pourquoi pas. Même s'il a perdu les 5 étoiles, geste technique. Gundo et Wijnaldum, bien évidemment que oui, surtout à Wijnaldum. Lewandowski, sûr et certain. J'aimerais bien l'avoir, évidemment. Kane, ça me dérangerait pas de l'avoir, mais je sais que je ne compte pas l'utiliser. Simplement parce que c'est pas mon style de joueur. Cheryshev, ouais, non. Ce petit joueur-là, pourquoi pas, il a les double 4. Il a le lien avec Gomez en plus, Alejandro Gomez. Michael, pas mal. Il y a McKenny aussi. McKenny, il a l'air un peu sous-côté. Double 3, il peut jouer en MDC. Et Tema, ses stats. 95 en détente, 86 en endurance, 86 en force et 84 en agressivité. Donc, ça me dérangerait absolument pas de l'avoir, lui. Honnêtement, Bundesliga, États-Unis, pourquoi pas, je prends direct. Comme la semaine dernière, on a fini hors 1. L'objectif, chaque semaine maintenant, c'est hors 1 minimum. Et puis après, c'est que du bonus, hein. On se prend pas la tête, on se met pas trop de pression. Bon, la semaine dernière, je me suis mis beaucoup de pression parce que j'étais en 18-4. Mais moi, comme un débile, je pensais que j'allais rivaliser avec des Ramos, des Varane et tout, alors que j'ai joué au Félix en buteur. Donc c'était un peu compliqué, mais en tout cas, on obtient 50 000 crédits avec deux packs à 100k et aussi deux cartes rouges qu'on va tout de suite
Alors qu'on va tout de suite découvrir ensemble, en espérant taper quelques joueurs qui... Enfin, deux joueurs du coup qui peuvent être utiles dans nos équipes et surtout notre équipe Fut Champion, forcément. Allez, première carte rouge, c'est parti. Pouah, c'est nul, c'est nul. Là, on n'a pas peur de le dire, là, c'est nul à chier. C'est très, très nul. Bah, du coup, Alsema. Hein. Ouais, bon, pas terrible ce premier choix, en espérant que le deuxième choix soit bien meilleur. S'il vous plaît. Oh, putain, mais c'est Kane, mais c'est bien, mais ouais, mais... Hey, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Walker, on avait Gomez. Je vous ai dit qu'on allait taper un Anglais en Premier League et ça a annoncé à Kane en rouge. C'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. On a eu les trois mêmes à part ce coréen-là. Mais du coup, on a tapé Harry Kane. Mais clairement, c'est pas mon style de joueur. Il a pas d'agilité, pas d'équilibre. Il a une grosse finition, mais... Ouais, après, pourquoi pas le tester. Mais c'est vraiment pas mon style de joueur. Mais bon, c'est le meilleur joueur de la Team of the Week. Donc forcément qu'on va prendre. Hein. Donc ouais, mais... Ouais, je sais même pas quoi dire. Du coup, duo de buteurs. Alsema avec Harry Kane. On n'a pas taqué de plus 86. Bon, on compte pas vraiment Harry Kane comme un plus 86. Mais si, on peut le compter comme un plus 86. Mais après, c'est une carte rouge. On n'a pas vraiment vu l'animation, tu vois. Donc du coup, j'espère l'avoir dans celle-là. Pourquoi pas. Après, si on la voit pas, c'est pas trop grave. Je trouve que le pack opening, il est déjà très très réussi. Donc du coup, premier pack à 100k. C'est parti. C'est pas plus 86, c'est pas grave. Français, ça peut être lourd. Ah, c'est Lemar. Non, c'est le pire. C'est le pire. J'ai cru que c'était Martial. Non, putain, dans un pack à 100k, c'est un peu dur. Ils nous ont même donné Mandanda, on a Boli, Caceres, Aziz. Ah, il est pas terrible, hein, celui-là. Il est pas terrible du tout, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, les derniers packs, les mecs. J'ai rien à dire, hein, personnellement. Mais bon, dernier pack, donc c'est un pack à 100 000 crédits. Espérons avoir une animation dans celui-là, au bout du tunnel, avec, évidemment, un plus 86, s'il vous plaît. Mais oui, on finit par un plus 86. Belge, Hazard. Non. Alderweireld, encore. On l'avait déjà packé. Mais bon, on termine par une animation, donc c'est très bien. Mais oui, fais la fête, c'est très bien. C'est très très bien. Aïe, 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 il y a plein de Belges en plus qui sont forts. Mais on a retapé Alderweireld. On avait packé, je crois, dans nos premières récompenses, non, en Rivals, si je dis pas de conneries. J'ai vu 85, parce que je sais que Varane, il est noté 85 de général. Mais on tape, Jiménez. Jiménez, du coup, c'est combien? Ouais, c'est 9000 crédits, à peu près. Et Alderweireld, du coup, c'est... Bah, en vrai, c'est cool, hein, c'est un pack à 30 000 crédits. Bon, c'est au final, c'est un pack à 100k qui nous rapporte 30 000 crédits. Mais on prend, évidemment, donc, Politano, Nkoulou. Ça, c'est bon pour la Serie A, Golovin, ok, ok. Il n'y a pas des doublons. Oh, putain, Xavi, encore. Upamecano, ok, bon. Encore un Belge, hein, évidemment. En tout cas, ouais, c'était lourd. C'était très, très lourd, les récompenses Fut Champion et tout. Je suis assez content. Bon, du coup, on termine ce pack opening à 663 000 crédits. Il me reste encore Vertonghen, Alderweireld à vendre. L'équipe qu'on va jouer avec ce week-end va sûrement ressembler à ça. On a acheté, du coup, Karim Benzema. Karim Benzema, que, je le joue très souvent en Fut Champion. Je l'aime bien, mais il manque de vitesse. Là, il a chasseur. Je l'ai en inform en plus, donc ça va changer d'habitude. Et puis voilà, on a packé Ousmane Dembélé, donc du coup là il rentre parfaitement bien dans l'équipe, même s'il a 7 de collectif. On aura juste à acheter Fabinho, Alan et puis Mertens. Et du coup, je sais pas encore comment je vais évoluer, mais je pense que je vais créer plusieurs tactiques. On aura le 4-2-2-2, le 4-4-2, peut-être le 4-2-3-1 et le 3-5-2, je sais pas encore. Mais en tout cas, l'équipe va se diriger comme ça. Mertens, je ne l'ai pas testé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que du bien de lui. Donc, ce que je vais faire là, c'est que Mertens sera en MOC sûr et certain. Et Karim, il sera en buteur. Donc, on verra bien. On testera aussi Karim en buteur. Vu que d'habitude, je l'ai en MOC. Donc, j'ai hâte de le tester. On aura évidemment donc Ousmane à gauche. Salah, toujours là, toujours présent. En vrai, je suis un peu obligé de l'utiliser parce qu'il m'économise un maximum de crédit. Et surtout, voilà quoi. On met Fabinho avec. Donc, je pense que ça peut être lourd. Fabinho et Alan en milieu défensif. De toute façon, on verra bien. Bref, les gars, passez une très bonne soirée. On se retrouve du coup demain pour commencer Fut Champion avec cette équipe. Et sur ce, prenez soin de vous, les mecs. C'est important. Ciao, les gars.